Quelques semaines après la signature des conventions de partenariat avec les 5 communes de la phase pilote, l'université de Kara a officiellement démarré les opérations de collecte de données sur le terrain ce 28 juillet 2020. Réunis au campus Nord, les experts mobilisés pour accompagner le projet décentralisation et localisation des ODD ont validé les différents questionnaires à administrer aux populations des communes. 14 au total, ces experts sont venus de différentes structures, ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, ministère de la planification du développement et de la coopération, ministère du développement à la base, université de Lomé et université de Kara. Toute l'équipe des experts, conduite par Dr. Kpati Agé, coordonnateur du projet, s'est ensuite rendue au centre culturel de Pia, où se déroulait la deuxième session du conseil municipal de la commune Kosa 2 pour se présenter aux élus locaux et revenir sur les grandes lignes de l'accompagnement prévu sur ce projet. Au nom des populations de sa collectivité, Mme Kosiwa Kabia, mairesse de la commune Kosa 2, a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour sa politique de développement, au bailleur et à l'université de Kara pour cet accompagnement nécessaire à la gestion des communes, avant de dire aux experts combien ces attentes sont grandes. Nous manquons de mots vraiment pour remercier le PNUD et à travers le PNUD, notre gouvernement qui a vraiment su mettre cette décentralisation au niveau des collectivités locales. Dans son agenda de la journée, l'équipe s'est également entretenue avec les enquêteurs mobilisés pour la collecte des données. Ils étaient au total 125 personnes à parcourir le questionnaire avec les experts avant d'aller sur le terrain. Ils ont ensuite été répartis en 7 groupes selon les cantons que compte la commune: Bohou, Kouméa, Pia, Sarakawa, Tcharé, Tchichao et Yadé. C'est une opportunité pour moi de faire la découverte de Sarakawa, puisque c'est pour ma première fois que je suis arrivée ici. L'accueil, ça a été tellement chaleureux, j'ai vraiment aimé. Le lieu, bon, c'est un peu décourageant, mais on comprend puisque nous sommes dans la saison pluvieuse. Donc il y a l'eau partout, mais on essaie de comprendre. On vient de commencer, espérons qu'on aura la facilité pour poursuivre notre enquête et que l'enquête là va servir réellement à la réussite ou bien aux attentes que nous voulons réellement atteindre comme objectif à la fin. Ils continueront ce travail pour le reste de cette semaine.